Bonjour, cette matinée de 24 mai, nous nous retrouvons devant la maison des enfants. Je vois qu'il y en a qui arrivent. Agen, fête la famille. Je vous invite à me suivre à l'intérieur pour voir ce qui se passe. À l'entrée du château fort, je retrouve Laurence qui va nous dire un peu plus précisément le programme de cette matinée. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors ici, vous êtes à la maison des enfants et nous accueillons ce matin des enfants et leurs familles pour plein d'animations concernant des enfants surtout, enfin qui ont entre 2 ans et 6 ans. Voilà. Pourquoi ce thème du Moyen-Âge ? Le thème du Moyen-Âge, c'est un thème qui a été choisi en fait par l'équipe. Chaque année, il y a un thème qui apparaît. Tout simplement parce qu'on s'est dit que pour les enfants, il y avait vraiment tellement de choses et c'est le jeu, beaucoup de jeux, surtout au Moyen-Âge. En tout cas, il me semble que c'était une idée réussie. Et une dernière question, qu'est-ce que signifie la famille pour vous ? Alors, la famille, pour moi, ça signifie tout simplement des parents, des enfants, des grands-parents, tout le monde qui se réunit. Et je pense que des moments pareils, c'est vraiment des grandes fêtes pour eux, vraiment. Nous allons voir un spectacle. Alors, je ne sais pas encore en quoi ça consiste, mais je vous propose de rester avec moi pour voir. De son pied, il danse, de son pied, et de son bras, et de sa main. Il était une fois un roi, un petit roi, qui habitait dans un tout petit château, dans un minuscule royaume très lointain. Un beau matin, le roi se promena dans son jardin, ayant rempli ses poches de bulbes de fruits. Alors soudain, il s'écria : « Mais je sais maintenant ce qu'il me manque !» Alors, comme on a pu constater, la famille, c'est des enfants, des repas, des frères, des sœurs. Il y en a qui disent qu'on ne la choisit pas. Et vous, vous aimez votre famille ? Madame ! Évidemment, ça tombe sur moi. Alors dites-moi, c'est l'atelier des gommettes ? Oui, atelier des gommettes. Nous faisons des couronnes pour princesses et des chapeaux de Merlin. Tu fais la couronne ? Ah, oui, tu fais un chapeau. Et Juliane, tu veux bien être mon prince charmant ? Non. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre activité ? Parce que je vois une barbe à papa en forme de dragon. Voilà, c'est barbe à papa qui s'est transformée en dragon et les enfants doivent lancer les balles dans le ventre du barbe à papa. Jambes du qui danse, jambes du qui danse, de sa face il danse, de sa face il danse. Alors il paraît que c'est très bien. Hein ? Ventre, ventre, de sa jambe, 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 et de son pied, 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 de son bras, 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 et de sa main, 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 et de son doigt, doigt, doigt. Hey, un silence, jambe, tu. Nous célébrons la 6e fête de la famille. Depuis 6 ans, cette fête prend de la place, de l'importance. En plus, nous avons la chance d'avoir un temps magnifique. Énormément d'enfants. Ce matin, autour de la maison des enfants, c'était formidable avec les tout-petits, plein d'activités. Et cet après-midi, comme vous le voyez, le thème cette année, c'est le thème du Moyen-Âge. Donc c'est un thème propice à plein de jeux. Cette fête de la famille, elle est importante, elle réunit l'ensemble des enfants, elle réunit aussi toute la famille. Joyeux anniversaire.
moi je reste encore jusqu'au matin debout sur le port.